L'exposition Harpie Sourd continue au centre commercial de Destreland à Bemao. Pour sa 4e édition, le CERAC a invité le graffeur Pac-Man à réaliser avec des sourds et malentendants des œuvres originales afin d'attirer l'attention des entendants. Le but, créer un pont par l'art entre deux mondes qui se croisent sans forcément communiquer. Parler de surdité, souvent les gens pensent handicap, déficience, donc le discours est assez triste. Et en fait, pas du tout. Les sourds, c'est une communauté très gaie, très joyeuse. Ils ont leur humour, leur culture, leur langue des signes. Et c'est vrai, via ce type de manifestation, c'est-à-dire via l'art et la culture, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent vers nous, qui sont intéressés, qui sont curieux, qui désirent poser des questions et rentrer en contact avec cette communauté. 10% de la population guadeloupéenne souffre de troubles avérés de l'audition. L'occasion, jusqu'au 26 octobre, d'aller à leur rencontre.